Voilà, ça devrait marcher. Faire quelques réglages. Ça du coup. Ok. Voilà, tous les paramètres sont visibles normalement. Alors, bon. Je paramètre. Hein. Ça devrait être bon. Alors.
Insertion complete. Transferring target coordinates of hostile artillery units to your tactical sensorium. Silence these guns before the Imperium's finest get pounded into oblivion. Good hunting. One less target to worry about. Keep going. Bon, voilà. Alors. Paramétrage. Voilà, ce sera un peu plus cool comme ça. Du coup, je vais enlever le. Quoi que je vais laisser comme ça. Comment je pourrais faire? Non, on va laisser comme ça. Que le PC se mette pas à brûler. Ça va, le son du jeu, il doit être super fort, je crois. Non, je vais modifier le son. Voilà, ça devrait être mieux là, non? C'est mieux. Ça a l'air. Allez, go. Bon, là, je vais faire des petites missions histoire de, parce que bon, on va essayer de renflouer les caisses. Et si je peux avoir des missions avec des IA. Des Eldar serait pas mal. Oh. Ça va, ils sont niveau 45. The alarm has probably alerted the hostiles in the vicinity.
Ça devrait aller. Quand j'aurais dû prendre Sœur Céleste. Parce que je joue avec le lance-flamme et tout, mais j'ai pris un. J'ai pris Hégémonique. Qui est plutôt basé sur le bolter. Oh, ça va. Oh, voilà, on fait des trucs hybrides. Je testerai. Pauvre, j'arrive et je casse la fête. Faut les comprendre un peu. Non. Ah ben ça valait bien le coup. To worry about. Keep going. Donnez-moi 10 sous. Ça c'est fait. Well done. Stand by for extraction. C'est mieux, non? Bon alors, qu'est-ce qu'on a eu? À ce niveau-là, on n'aura peut-être pas grand-chose, ça c'est sûr. Bon. Allez, démonte-moi tout ça. Je vais voir pour la sœur hégémonique ce que ça donne. Pas la sœur hégémonique là. La sœur céleste. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Ça me change surtout.
C'est la même chose en fait, c'est juste la quantité de. D'accord, ok. En fait, ça s'adapte. Ça doit être. Voilà, ouais, il y a juste les. Ok. En gros, tu pars avec un personnage de base et tu le personnalises, quoi. Ah, il y a des nouvelles fonctionnalités dans le chat. Putain, j'avais pas vu ça. Je pourrais essayer résolution. Ouais, voilà, quand il... Ça va, je survis plutôt bien en ce moment, donc. Bon, je crois que je vais continuer un peu l'émission. La campagne de base. Rouler un peu dessus, mais bon. Sanctum. This is the genitorium that powers the various dissection chapels and the laboratoriums in the sanctum. But we are close. Ah, si moi je mets test, ça va forcément marcher. Évidemment. Bref. Alors. Trouver l'entrée du sanctuaire intérieur, ok. To know something, Inquisitor. How did you find the Martin? Are you looking for me? I wasn't even aware of your existence. Qu'est-ce qu'il fait? Fonce devant là. Bah, attends, j'ai fini de tout cramer avant de foncer. It must have been the will of the Emperor then. I am aware of that signal. It was activated by the rebels during the inner strife against Tiberius. Ah, it only transmits from time to time. What's the sigil on the wall? It resembles a demonic mark fused with Xenos and Imperial symbols. Uther called them Imperial seals. He studied forbidden summoning rites and the arcane machines of a lost civilization. Oh! Uther wanted to conceal the existence of a secret weapon. Attends, il y a une fusion entre le chaos et les Nécrons? We must fight fire with fire. You taught me. And I am not the same person anymore.
Super, génial. Manquait plus que ça. Là, 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 ça brûle. C'est bien. Et je croyais avoir enlevé le truc qui me fait accélérer. Histoire de... On casse tout. I have found some very old human remains here. They belong to the crew of the Martyr. When Uther's followers turned against him, the monastery was consumed by war. It crippled the ship eventually. The Emperor's light has found me. Nouvelle enquête. C'est mon coffre, cassez-vous. Ça brûle bien, hein? Pourquoi il prend cher, lui? On va d'abord se finir ce coin. Your combat skills have become even more praiseworthy. Ben oui. You might have changed, but your perspective on our eternal crusade certainly hasn't. Casse-toi de là, reste pas au milieu des mines. Et après on dit intelligence artificielle. On va pas faire la blague de il y a plus d'aide artificielle que d'intelligence, mais. Alors, making it a black site. Even the machine spirit doesn't have eyes or ears there. How do we get through the stasis field? Tiberius. Bon, allez, bla bla bla. Désactiver le champ de force. Bien. Resistance. The genitorium seems to be populated by a degenerate tribe. Allez, allez. I'm a
approaching the terminal that will deactivate the stasis field. Where are you? I'm having some problems with the feral tribes, but I'm close. Il est marré là. J'ai dû balancer un tir là au milieu, voilà. Allez, on brûle. Voilà, merci. Un cogitateur. C'est comme ça qu'on aurait appelé les ordinateurs en fait. Déjà, non. Non, je vais cramer encore des gens. Il va y en avoir par là. Ah, par contre, il y a... Bon, c'est déjà pas mal. On va dire. Bon, j'imagine que ça va pas être bien glorieux. Oh, une thune, j'ai pas regardé. On va tout vendre. Soit on va le démonter. Bon, ben la suite. Hein. Continue sur le martyr. Ah, j'ai pas vu ça. Mode défi. Extrême. Œil de la terreur. Impossible. Moi, je dirais mode extrême. Pas déconnant. 53, moins 50% de dégâts. Si ça peut rapporter. Sinon, on met en mode difficile. Normal. Normal serait 50. Ça rajoute un seul point de gloire. C'est naze. 15 sur le système. 10. Ce qui, il vaut mieux pas le faire comme ça au final. Bah allez, go. On va finir par voir des nécrons du coup ou pas. Cloisterheim, where are you? Can you hear me? Cloisterheim, if you can hear me, I'm heading towards the inner sanctum. Meet me there. Péter les tonneaux. So
I found the body of a word bearer. The filth of Logar. What are they doing on the Martyr? There is just one, and he looks dead. I was wrong. He is alive. Oh non, il est pas mort. Du coup, il brûle bien. Même eux ont des ennuis. Where it belongs. I wish I could be fighting by your side. According to the message I found, there were more of them, and they were trying to extricate data from three specific. The word bearers are seekers of terrible secrets. Bon, chercher des informations. C'est solide un Space Marine. Chaos Warband doing here all these years. Those maggots are specks of dust compared to true. Allez, on brûle. But they possess the same unique organs as we. Ah mais ça y est. They activated their Suan membranes to wait. Mais Popo, elle va me servir à quelque chose. Ah zut, je me fais mal toute seule. Ah, j'ai cru que c'était... C'est mon crâne qui me suit partout, j'ai cru que c'était un mob. Ah, ça faut les bousiller. Ah, mais j'ai dit faut les bousiller de loin. Et je me gourde de boutons. New log entry, more Empyrean seals. But they are broken. Considering that these seals trap the essence of destroyed demons, so they can't go back to the warp to reform, I don't like the implication. Ah, c'est un sorcier là. Ça se tue comme le reste. C'est lequel le plus près? Celui-là. Inquisitor, you are approaching the coordinates of the first cogitator marked by the hostiles. Time to find out what they were looking for. Voilà le cogitateur. Flagged picked recording from this cogitator. This woman might be the key to Uther's secret experiments. In progress. Is she a psychic blank? The antithesis of a psycho? Did Uther Tiberius test his secret weapon on someone without any presence in the warp? Commencing analysis. The Emperor's light has found me. Intéressant. Il s'est fait péter sa grenade sur lui.
Ouais, je fouille un peu. Hein. Donnez-moi du loot. Tu as un AVOC lance-flamme avec un lance-flamme. De dégâts là. T'es celui-là le plus près. Maintenant oui, mais à la base j'aurais pu aller finir celui de là-haut. Bref. J'ai vu. Oui, pas juste, je sais pas, décédé. Bon, c'est qui cette femme? Intéressant. Je vais tout péter. It is incredible. A soulless one absorbing psychic energy is normal, but she's deflecting the attacks. I have never seen. Whatever she is, this would explain the interest of those traitorous maggots. It sounds like something the word. Tintin. Remarque, c'est logique. Les nécrons, ils sont attirés par les psycheurs. Donc j'imagine que les antipsycheurs doivent aussi les attirer. Ah, il y a un coffre là. Allez. Ouais. Ok. Allez, on brûle. Allez, faut que je fasse un max de dégâts pour monter ma vie. Ah, c'est une toile.
sauter toute seule, moi. Ah, il y a un coffre. Allez. Le mystère s'épaissit. But I've discovered that even Uther's people found that strange test subject extremely disturbing. Total absence of information in the accessible data looms on the Marta. The existence of the subject has been erased from the archives. Whatever this creature is, she must have been Uther's greatest secret. I must find out more. I have analyzed the previous inloads. The binary illuminations in PIC recordings contain the encrypted... Tell me. Decryption complete. The location of the inner sanctum is at your disposal. Perfect. Biu. Par contre, 2 minutes. Je vais me chercher un café et une couette. Je vais manger ma gaufre.
Meisterheim, can you hear me? I can hear you. I lost your signal in that nightmarish tribal camp. I liberated some captured members of my expedition. Where are you? I'm in the inner center. In a scriptorium, I suppose. Uther Tiberius had his own secluded laboratory there, where he must have kept his personal cogitator. Find that room. Several Imperian seals have been destroyed here. My guess is it was the work of the word bearers. The trap demons are loose. Expect heavy resistance on your way in. What? Word bearers? On the Martyr? The most disturbing thing is that they seem to be aware of the secret too. His servants to suffer the most glorious torture imaginable. Spare me the monologue, creature, and prepare to die. Tell me, Inquisitor, what did you expect to find here? I was led here by dark prophecies and magnificent fever dreams. But you? You have no idea what we are about to unleash on your Imperium. Enough of your gibberish. Die. Destroy your body and offer yourself to my masters! Kill the Inquisitor! Kill the Inquisitor now! How are you faring, Inquisitor? I have located Uther's personal cogitator.
First, I had to explain to the word-bearer Filth that they are not allowed to touch it. I am still worried about their presence on the ship. Access the cogitator immediately. What have you found? The proof we needed. Uther's secret weapon was a unique pariah, who was capable of the impossible. She didn't just banish demons, she utterly destroyed them. By the Emperor. That could have been the most powerful weapon against the Filth of Chaos. And she could have had a significant impact on the fate of the Sector, or the whole Imperium. We need to know what happened to her. Uther Tiberius had a meditation chamber in the Sanctum, where he must have kept his personal notes. Find that room. Cloisterheim, I'm in Uther's meditation chamber. I can see a journal.
Open it. Re. Qu'est-ce qu'il dit, Uther, du coup? I have, and it contains some surprising revelations. Even Uther Tiberius was horrified by the powers of the Alpha Pariah. That's what he called her. Did he kill her? No, he locked her away in the main stasis chamber. Which means that she must still be alive. This is incredible. Damn. And we have a chaos sorcerer. Une psycheur capable de détruire un démon. I'm almost there. Et pas seulement le bannir, ça c'est intéressant. Ouais, j'ai pris un level. J'ai pas récupéré grand chose, hein. Moi je me renseigne sur les psaumes. Voir ce qu'on peut faire avec. Bon alors. Je voulais développer les coups critiques là. Histoire de. Compétence de corps à corps, je n'utilise pas, donc c'est considéré comme une compétence de corps à corps le pouvoir du bâton. Du coup, je sais pas. Bah le reste on va le vendre. Voilà. Bon allez, on continue là, je suis dans l'histoire là, je suis lancé. Go. Oh cool, on a une équipe. The secret of the martyr is within arm's reach. Just imagine the possibilities if the Alpha Pariah is still there in stasis. Now you are talking like the Inquisitor I used to know. Let's go to the stasis chamber. At your command. I see you found reinforcements against the word bearers. These men are the members of my expedition. I thought they were killed. Par contre, veillez vous-même à votre sécurité parce que. On va faire la garde du corps là. Pas déconner, hein.
oui, c'est... Dès que je vois un marine, je tire dessus. Coucou. Attends, je gère le chat. Comment ça va? Oh putain, non mais sérieux, mais il est en papier le mec, ils m'ont foutu là. Tiberius wanted to create an army of former demon hosts, resistant. Attends, je vais désactiver ce truc. Voilà, ce sera plus simple. He must have realized that it was not working. Or he realized that an army needs a commander. I don't know if the Alpha Pariah was someone he found during his journey, or if he obtained her through some dark means, but eventually he had her in his grasp. And now his legacy will be ours. J'appuie sur tous les boutons. Oups. Attends. Hop, on va fermer ça. Voilà. In the darkest reaches of the void, on the cursed monastery hidden among the living storms, here is the anathema that shall be destroyed. I will make the revelation come true. Not while I breathe, creature. Death to the servants of the corpse emperor. Ah, ça va péter. Combien tu paries que l'autre y clame? Ah merde. Ça y est, il y a du challenge. Et bon. On a retrouvé un équilibre. Sacrée patate. J'aurais dû prendre ça pendant le combat. Are you ready to open the gate? Wait, I see human remains. Il marche le chat? Parce que... Dis-moi. Si t'es encore là, bien sûr.
Emperor's light has found me. Anything useful? That is an understatement. Now we know that Uther Tiberius was gravely wounded during the rebellion in the monastery. His trusted men decided to take him off the martyr, with a certain Captain Van Winter at the helm of the rescue ship. He had secured the secret weapon before he fell, though. Ah, c'est pas ça. Ah, pas de souci. Non, c'était pour voir parce que il était, je sais pas, il y a le nouveau système là et c'est chiant, tu sais pas ce qui est activé ou pas. Alors, bah ça a l'air d'être bon. Ouais, pas de soucis après. C'est juste que comme je te voyais pas ni répondre ni écrire quoi que ce soit et que personne n'a écrit rien écrit jusque là, est-ce que c'est parce qu'on peut pas écrire ou est-ce que c'est parce que personne veut parler? Et le son du jeu, ça va? By the grace of Emperor, I cannot enter. Did you see anything? She is there. The Alpha Pariah is inside. So close and yet unreachable. There must be a way. No, you were right. This barrier was designed by Uther himself, and he made sure that nobody can enter without his authorization. The barrier can only be disabled with an inquisitorial rosette. But a rosette is the personal symbol of our authority. Each rosette is unique, and Uther has been dead for centuries. It is impossible. You are telling me. No. Uther Tiberius was taken from the martyr to an unknown destination, and I will find what that place is. I am an inquisitor. Nothing can remain hidden from me. I will uncover that rosette. What is our next step? We are treading on dangerous ground. Uther Tiberius was so obsessed with fighting the powers of chaos that he ventured. Who cares about ignorant fools? You must surely be aware of what the Alpha Pariah could become. Uther Tiberius wanted to destroy the gods of chaos so desperately that he decided to. Yes, I understand. And this is why we must continue. Oi, yay, 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 yay. Décision dramatique. Ah, tu veux que je monte le son du jeu? Je l'ai mis à moins 20 dB, mettre à moins 10. Ça devrait être mieux là.
Après le son là, il est pas spécialement fort. Et hop, voilà, ça devrait être pas mal. Normalement. Arthur a raison, nous devons utiliser ce pouvoir pour combattre les marées du chaos, le destin d'Imperium justifie les moyens. L'existence même de l'Alpha Paria s'approche de l'hérésie, les doctrines doivent être défendues à tout prix. Non, faut se servir de l'Alpha Paria. Attends, on peut détruire les démons. Après... I'm also risking excommunication and death, but first... I will remain on the Martyr to protect Uther's secret with my life. Ça change quoi au final? C'est juste un choix personnel? Ou il y a vraiment un truc derrière? Ouah, il y a plein de nouvelles missions. Oulala, attention. Ça, j'ai tout validé. Ça, attention, on ne peut pas encore le faire, donc. Qu'est-ce que j'ai eu ? Ça lag trop. Ouais. Faudra résoudre ces petits soucis d'internet. Ah là 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 là. T'es obligé de râler pour avoir le net. C'est ouf quand même. C'est ma souris sur le bord du clavier. Bon, qu'est-ce que t'en dis? Are you serious? You want me to believe that you didn't know that the founder of your rogue trader house was the captain of the Martyr centuries ago? I need a better explanation, Captain. Bon, allez, blablabla. On a compris, c'est le foutoir. Youpi, quoi. Je peux te narguer, je suis à distance. Je ne sais pas. Il n'est pas récent, hein, ça je le sais. Et ça fait un moment qu'il traîne dans ma bibliothèque Steam. Et là, j'ai vu, il y avait un DLC Adepta Sororitas, du coup. Quoi qu'il est sorti à un moment, le DLC. C'est la honte. Je me suis dit, allez hop, une inquisitrice. Parti. Là, je sais pas si je finis les missions ou... ou si j'enchaîne, si je veux faire... je vais aller voir ce qui est dispo dans le secteur. Normalement, je suis assez haut level pour la plupart des secteurs, donc ça devrait aller. Il y a combien de missions là? C'est qu'il me faut des assez haut niveau pour pouvoir c'est pour upper mon armure. Ah oui, mais là c'est pas dispo du coup.
pour accéder au secteur Agartha, vous devez terminer la campagne d'Rukari. C'est relou. Bon, on va voir. C'est joli, hein. Ça fait un effet nébuleuse, là. Ouais. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a 4 sous-secteurs, allons voir. Remarque, je pourrais passer par le truc de mission, hein, au lieu de me faire chier à faire tout là. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a carrément rien. Seulement avec les Drukhari, ça marche pas. Bon, vue générale des missions. Allez, type d'ennemis. Bon, allez, ça ira plus vite. Voilà, des Eldari. Je veux des Eldari, moi. On va commencer par lui. Voilà. Et on va y rajouter des trucs. Il n'y a pas un truc qui augmente le niveau ? J'avais un truc qui a augmenté le niveau, fut un temps. Il n'y a rien qui a augmenté le niveau. Monte-moi le niveau, s'il te plaît. Il veut pas. Peut-être qu'en mettant, même en mettant les trois, ça changerait du tout. En changeant le premier, si on fait comme ça. Ouais, en fait, elle est. Mais le problème, c'est que elle vient jamais. Désolé, je me bats avec mon interface là. Bon, on va laisser ça là de côté du coup. Je suis qu'à niveau, niveau 52 ? Non, niveau 51. Donc on va prendre ça. Hop. Là, tu vas voir, ça va augmenter de niveau. Non ? Alors, vitesse de déplacement des ennemis. La durée de la mission est limitée. Je rajoute un chrono quoi. Bon, ça va. Les chronos, j'aime bien. Je veux des objets assez cool. Voilà. Bon, normalement, je devrais leur rouler dessus, mais... Le truc, c'est que je crois qu'elle est, elle est venue une fois, et puis elle m'a sorti une phrase... Il y en a plein qui me l'ont fait, c'est du genre « Ah, mais on veut pas te déranger pendant que tu joues. » Non, mais c'est le but, en fait. Mon... le but, c'est de parler avec moi, tu vois. C'est ouf, quoi. C'est dingue. Oui, je comprends bien, mais... C'est ouf quoi, c'est ouf. Le but de mon live, c'est que je joue et que je discute avec les personnes qui viennent quoi. Ça va. Ok. Non, parce que hein, faut quand même voilà. C'est que les interactions les plus longues que j'ai eues sur Twitch, les plus longues, enfin les interactions que j'ai eues de manière générale. C'était qu'avec des transphobes. Donc merde à la fin quoi. Oui voilà. C'est Candy Crush.
Bon, moi elle m'avait dit qu'elle jouait à un jeu bizarre là. Un peu dans la manière de Candy Crush. Où elle avait une guilde et tout. Ouais. L'autre il vient avec sa moto jet dans un vaisseau. Tout à fait normal, logique. Moi j'aime bien cramer les araignées spectrales. J'ai eu des mauvaises expériences avec des araignées spectrales. Bon, c'est un peu dégueulasse. Je suis en train de zigouiller une race de non-binaires. Bref. Pas rien dire. Pop, pop, pom. Ça brûle bien, hein? Ça brûle bien. Un seigneur fantôme, trop bien. Ouais, c'est clair. Alors, dissertation, est-ce que c'est dû à notre vécu? Si on aime les mêmes choses. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses que toi tu aimes, moi j'aime pas. Donc. Voilà, Ken Slash, c'est rigolo. Bien, il y a un peu de massacre, un peu de tout ça. Ouais, voilà. Après, ça dépend. Par exemple, quand je dis que j'aime pas Doctor Who, oh là là, pour les fans de SF, mon dieu, c'est horrible. Ouais, mais Doctor Who, non, arrêtez avec Doctor Who, là, c'est bon quoi. J'avais une copine qui regardait Doctor Who en anglais, machin, tu sais, la puriste, quoi. Si c'est juste pour se donner des airs, je regarde du Doctor Who. Merci bien. Oui, pourquoi pas. T'as déjà regardé du Star Trek? C'est très social, hein, Star Trek. Hein. C'est juste l'environnement qui est de la SF. Merde, tu es resté dans l'explosion. C'est très social. On va dire anthropologique. Voilà, c'est mieux, anthropologique. Après, là, Warhammer 40 000, c'est un peu l'enrobage aussi, parce que c'est plus de l'heroic fantasy enrobé de science-fiction, quoi. Star Wars, c'est plus de l'heroic fantasy aussi. Oh là là, ça ferait péter les plombs à pas mal de personnes. C'est pas de la SF, hein, pour proprement parler. Ouais, je comprends. Donc c'est l'enrobage futuriste qui te plaît. Ça se comprend. Non, bah, par exemple, c'est tout ce qui est western. Bon, c'est le genre de truc qui me plaît pas. Pourtant, j'ai adoré Red Dead Redemption 2, mais online. Pas le jeu, le online. Je sais pas, le côté à cheval... T'as des flingues, une carabine, des buzz des animaux. Oups. Heat.
Eh bien, le seigneur fantôme, il veut pas mourir. Voilà. Sekiro. Tu vois, moi j'ai eu ma période Japon. On va dire Japon. Japon médiéval, samouraï, le Bushido, tout ça. Et bah ça m'a passé. Après Sekiro, moi c'est le système de combat me plaît pas. Puis c'est pas vraiment un RPG. RPG. Donc voilà. Bah c'est le plus difficile parce que tu peux pas. Gérer avec des levels ce que tu enfin tu peux pas gérer avec des levels en fait. Tu vois ce que je veux dire, si t'arrives pas à passer un truc ben, faut que t'insistes. C'est très si tu vois ce que je veux dire, en gros tu peux pas compenser avec des levels la difficulté que t'arrives pas à surmonter. Il y a bien des upgrades hein, mais ça te permet pas. Voilà. T'es obligé de gérer le système de combat. Voilà. Si tu gères pas le système de combat, t'avances pas. Voilà. T'as vu, on a une rhino. Rhino. Ah, il y a la cam par-dessus. Tu peux écrire des mots. C'est rigolo. Des bêtises. Qu'est-ce que j'ai chopé? Il y a des trucs intéressants. Il est où? Voilà, merci. Moi, j'ai rien à choper d'intéressant. Si, peut-être ça. Qu'est-ce qu'il dit ça? Dégâts de poison, mais j'en ai pas de dégâts de poison. Alors, il n'y a pas de magie dans Bloodborne, il y a des flingues, il y a une ambiance Londres victorien. Gothique, quoi, en gros. Très fantastique. En plus, je sais pas s'il n'y a vraiment pas de magie, c'est juste qu'au début, il n'y en a pas, en fait. T'aimes bien les ambiances morbides? Pourquoi ça m'étonne pas? Bon allez, on démonte tout, vas-y, rien à foutre. Allez, donne-moi de la thune. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Elle a jamais rien d'intéressant. Même à bas niveau, il n'y a que de la merde. Bon, on dirait qu'ils veulent pas que tu avances dans le jeu, tu sais. Non, tu vas galérer. Je vais m'acheter un autre pack, là. Pack Omega. Ah, mais c'est les deux des packs Omega. On attend d'avoir assez pour s'acheter un autre pack. Ah non, ce que je veux faire, voilà, c'est EP lui là. Macabre. J'ai regardé un mec qui faisait des speedruns il n'y a pas si longtemps pour arriver à me dépatouiller. Quand je vois la suite du jeu, je fais super génial. Ça tombe encore plus dans le dégueulasse.
Oui. Faudrait qu'on déverrouille tout à lui là. C'est cool aussi. Et qu'on rajoute un emplacement à mon armure. Qui commence à devenir vieille. J'ai une armure niveau 22. T'imagines, je suis niveau 50 et quelques. Et j'ai jamais trouvé mieux. J'ai bientôt déverrouillé le deuxième truc d'ailleurs. Ah ben là tu seras servi, parce que Bloodborne c'est ça en fait. Puis même t'as des choix à faire de ton perso si tu veux qu'il devienne... tu peux devenir un monstre hein, en gros. Hein. Au sens monstre en fait. C'est un peu à la manière d'un loup-garou. Quoi. Ah non, je vais passer par l'émission. Ah, lui, on peut peut-être le P. On peut peut-être le P, lui. Putain. Je sais pas, la dernière fois, ça marchait. Ça me EP le niveau. Ouais, tu sais la mécanique du dragon par exemple dans les Souls. Là, ils ont monté le truc quoi. Mais comme je t'ai expliqué, c'est un jeu qui te demande à être violent en fait. Plus t'es agressive et violente, et mieux ça passe. Parce qu'en fait, tu sais quand t'es, t'as une zone rouge quand tu te fais taper là. Et en gros, si tu renvoies les. Si tu es agressif et que tu renvoies les coups, en gros, enfin que tu frappes, ta vie remonte. J'ai pas de sous. Je pourrais en avoir déverrouillé. Donc, si jamais tu te fais taper et que tu es agressif après. Ça renvoie les coups. Ouais, non, mais c'est un coup à prendre. Hein. Le truc, c'est de trouver l'arme qui te plaît. Parce que au début, moi, au début, je jouais avec la scie, là. Moi, je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom. Ça fait un jeu de mots, d'ailleurs. C'est la scie. La scie. Bon bref, c'est une scie. Depuis que je joue avec la hache à deux mains là, franchement, je galère beaucoup moins. MMO futuriste. Je connais pas. Enfin là, d'un coup, ça me vient pas. C'est quoi? Attends. 100,000 worlds, 10,000 wars. There is no respite. C'est pas Star Ocean, c'est l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle. Across the galaxy, there is only war. Ah, je oui, ça me dit quelque chose. J'ai jamais joué, mais ça me dit quelque chose. J'ai pas regardé les malus. Du coup, j'ai foncé dans le tas là, j'ai pas regardé les malus. Ça se trouve, je vais me faire ouvrir. Je vais leur donner. Ça augmente mon truc. Attends, je suis à 332 là. J'ai pas l'impression. Bon après je suis trop haut niveau.
J'ai genre un niveau de trop, tu vois. Ça incrémente pas, va chier. Bon ben on va les zigouiller juste pour les zigouiller. Est-ce que vous pourriez mourir s'il vous plaît? Ah c'est une mission extermination en plus. Super. Pas rusher. Si, je gagne de l'XP, du matos et tout. Le problème, en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai des stats particulières à déverrouiller sur mon armure. C'est une armure légendaire, enfin l'équivalent du légendaire pour ce jeu, quoi. Et en fait, il faut que je tue des Eldar de mon niveau ou de niveau supérieur, j'ai 4 niveaux de plus. Seulement là, moi, je suis niveau 51, ils sont niveau 50. Donc ça incrémente pas mon armure, donc je vais juste gagner du matos et de l'XP. C'est pour ça que je voulais incrémenter le niveau de la mission, qu'au moins ils aient. Au moins ils soient à mon niveau. Après peut-être qu'il y aura un élite niveau 51, on sait jamais. Des fois ça arrive. You are no Astartes, but you can certainly fight, Inquisitor. Après, quand c'est dans les coursifs comme ça, ça me va. Quand c'est les missions. Quand c'est des missions à ciel ouvert, là, où ils peuvent arriver de partout, c'est relou. Puis t'as plus de chances de tomber sur un char. Là, ça va. Après, je sais pas. Tu connais l'univers de 40 000 ? Ah, bah t'as plus de risque de tomber sur un char. Ouais, c'est 40 000, oui. Warhammer 40 000. Et boum, il y a un char dans le truc. Ah, j'ai pris un level. Crevez tous. Pas du tout. Quoi? Je connais depuis que j'ai 15 ans. 13, ouais, 15 ans. C'est un univers vaste. Tu connais pas Warhammer? C'est un jeu de plateau à la base. Stratégie de plateau. Là, c'est la version futuriste, donc 40 000. Et ils ont découlé ça en des milliers de jeux vidéo. Je sans déconner, il doit y avoir des milliers de jeux. Dans tous les styles. Donc la stratégie, le hack and slash comme tu peux voir. Des jeux tactiques, des jeux. Il y a de tout. De tout. Alors il y a plusieurs factions. Il y a l'humanité représentée par l'Imperium. Qui regroupe plusieurs factions. Il y a les Space Marines. Qui sont les plus connus. Il y a la garde impériale. Après, il y a l'inquisition. Voilà, mon personnage, par exemple, c'est une inquisitrice. Stylé. Et après, tu as les autres factions, comme le chaos. Le chaos, en fait, c'est l'équivalent de l'Imperium, mais version mauvaise. On va dire, pour résumer, avec des démons et tout ça. Il y a plusieurs factions d'ailleurs de démons. Chacune représente un thème. Après, il y a les extraterrestres qu'ils appellent les Xenos. Les tyrannides, par exemple, avec les tyrannides. Tyrannides, les taux, les orques. Les Eldar. Les Eldar noirs.
Et il doit y en avoir d'autres que j'ai oublié. Il y en a plein de factions finalement. Et on va voir. Donc le sigle comme ça là, c'est le chaos. Donc là c'est la Vanguard Légion Noire. Je crois que c'est lié à Khorne. Si c'est lié à Khorne. Ah non, mais oui, il y a la faction Khorne carrément. Ça c'est Nurgle. Ah non, c'est pas lié à Khorne, c'est... merde, comment il s'appelle? J'ai bouffé le nom. Bref, l'autre. Bah, il y a Nurgle là. Les Tyrannides. Les Drukhari, c'est les Eldar Noirs. Les World Bearer, en fait, sont liés à Khorne. Hein, c'est une faction Space Marine du Chaos. La Alpha Légion, je crois qu'ils sont liés à l'autre. Là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Après, tu as les Aeldari, qui sont les Eldar normaux, quoi. Dans le jeu, je crois qu'il n'y a pas autre chose hein, de ce que j'ai vu. Et il sous-entendait qu'il y avait des Nécrons. Les Nécrons, c'est des machines, en fait. Des morts-vivants machines. Des Terminators, voilà. Je pense que ça parle à tout le monde. Il n'y a pas les taux. Après, c'est un peu normal. L'Inquisition, elle est surtout envoyée contre le Chaos et certains Xenos. Surtout des Psykers. Donc... Ah tiens, j'ai déverrouillé ça. Toutes les 5 minutes, votre personnage perd une vie. Ah ouais, mais c'est nul, ça. Ouais, non, non, c'est pas rigolo. Tu veux pas me filer autre chose comme malus? Non, tu veux pas. Bon, on va tester. Qu'est-ce qu'on a là? Chance d'augmenter d'objets élevés. Voilà, moi je veux des objets élevés. Vous commencez qu'avec une vie, mais chaque ennemi tué élite et scélérat vous éliminez, vous rapporte. Bon, normalement je meurs pas. Donc ça peut être rentable. Chance d'obtenir des doublons, ça c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce. Alors, ça c'est quoi le malus? La durée de la mission est limitée. Bon, ça c'est cool parce que plus tu tues, plus le chrono augmente. Et chance d'obtenir des objets rares. Et vous commencez. Non, c'est pas ça. Plus 38% de dégâts supplémentaires pour les ennemis de type champion. Et plus un champion. Bon, ben parfait. J'ai moins 64% et plus 64% de dégâts subis. Mais ça, c'est pas grave. Ah, on est passé à 56. Là, tu vois, là, ça a incrémenté le niveau. Pourquoi tout à l'heure, ça incrémentait pas? C'est lequel qui a incrémenté le niveau? C'est lui, là. Ah non, c'est dès le premier? Ouais, mais ça, je l'avais pas à l'autre. Test. J'ai dit test. Lâche-moi. Voilà, par exemple, là. Ah, d'accord. Ça incrémente le niveau que si c'est égal ou supérieur. Oh, c'est bidon. Mais c'est bidon. Hein, franchement, le système, là, il est bidon. Il est même tonneau. Ok, j'arrête avec les jeux de mots. Bon, ça sert à rien de faire une mission avec des Eldar si je peux pas monter mon armure. C'est con, en plus, il me reste pas beaucoup. Bon, allez, on tente. Hein, on tente une mission niveau 56. On va se faire rouler dessus. Je sens que je vais me faire rouler dessus. Parce que les Eldar, quand même, ils tabassent. Hein. Bon allez. Ouais, qui ne tente rien n'a rien, t'as raison. C'est parti, vas-y, tu vas voir là. L'inquisitrice, elle va te cramer tout ça là. Faut que je trouve une nouvelle arme parce que au bout d'un moment, elle va finir par être obsolète. Only
only corruption lies beyond the veil. Ouais. Moi aussi. Bon, il crame bien, c'est déjà pas mal. Ça va, on prend pas trop cher. Après, c'est surtout les élites qui vont me faire mal. Si vous pouviez mourir, ça m'arrangerait, merci. Bon, voilà. Putain, j'allais dire, regarde le chrono, mais en fait, non, j'ai la cam en plein dessus. Zut, tu peux pas voir mon chrono. Ça va, ça augmente bien. Je suis à 5 minutes. Ça augmente. Yo. C'est les gardes fantômes qui posent le plus de problèmes. Bon, par contre, faudra pas trop perdre de temps à se balader ici. Hein. Même si on peut obtenir des trucs assez sympatoches. Bon, ça brûle bien l'araignée spectrale là. Ouais, ça va. Je me méfie des araignées spectrales. Encore eux, ça va, les gardiens et les. Putain, ouais, t'as vu là, une araignée spectrale, elle m'a sauté dessus, ma vie, elle a fait un bond. Ah merde, j'avais pas vu. J'étais en surcharge. Si j'enlevais la carte, je verrais mieux déjà. Ah, il y a un élite. Bon, on va se reculer un peu. On va essayer de se débarrasser des araignées avant d'entamer le reste du groupe. Ça va. Hop, quelques faucons. Non, ça va, c'est gérable. J'ai réussi à passer le chrono à 8 minutes. Tranquille. Bon, des fois, ils en cagent dans les petites salles comme ça, là. On peut tout faire péter. Ouais, finalement, ça va aller. Enfin, faudra faire gaffe aux araignées et au Banshee, mais normalement c'est bon. C'est cool. Là t'imagines, je fais une mission niveau 56. Quoi. Voilà, c'est eux là qu'il faut se méfier. Quand ils se TP comme ça. Là. Les Banshee aussi. Après les Falcons, ça va. Les Gardiens, c'est bon, c'est ok. Ça permet de... Oh non, par contre là, le prisme de feu, ça va être galère. En gros, c'est son attaque à distance en fait, qui avec la zone d'effet là, qui est bien relou quoi. Oh non, il y a tout à la fois. Voilà, on va mettre un peu de bouclier. Merci. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Chacune votre tour. Merci. Oh, je vais crever. Je vais me cacher un peu. Il me suit, hein, l'enfoiré. C'est vrai que je pense jamais à faire ça, là. Mon dash. Mais tu vas exploser, oui. Sérieux. Bah ouais, en fait, ça l'incrémente. Je sais pas si tu vois, là. Tu vois, au milieu de l'écran, là. Il a écrit tuer des créatures de type Eldar. Je suis à 433 sur 750. C'était à 332 tout à l'heure. Mais au bout d'un moment, il va falloir que je la up l'armure. Hein. Parce que c'est bien beau de déverrouiller des trucs. Faut que les stats après elles suivent quoi. Après c'est pour ça que c'est bien de récupérer du matos d'artisanat au moins pour voir la EP. Ça va tranquille. Et B, ils étaient pas morts. Hein.
Ah d'accord. C'est les chevaucheurs fantômes aussi, ils vont me poser problème. C'est des sacs à points de vie ces trucs. C'est relou. Oui. T'es en train de me dire que là... Non, en fait ça marche pas. Si je quitte la mission elle est désactivée. Ce serait trop facile si... Tu gardes la progression mais tu peux pas recommencer la mission. Quand c'est une mission comme ça. Les missions de la campagne tu peux mais pas celle-là. De perdre et... Ouah, ce qui m'a mis l'âme fantôme là. Non mais dès qu'il y a une araignée spectrale, c'est ouf à ma vie. Bon. J'attire l'araignée spectrale à moi comme ça, je m'en débarrasse. Ouais, non mais là d'un coup j'ai eu un doute mais en fait non, il me semble que j'avais fait un truc la dernière fois et tu sais, j'avais quitté ma mission et en gros ça me l'a abordé. Et même en mourant ça te l'aborde. Aborting en anglais bien sûr, en français ça donne pas le même truc. Ça l'annule. Voilà, vas-y, fous ta vie en l'air toute seule, c'est bien. Décidément. J'aime me faire du mal. Wow. Calme les motojets là. Oh ça va, c'est ceux qui brûlent bien. Bon, ce jour est un bon jour. C'est le monsieur qui l'a dit. J'en suis ouf du coup. Bah par contre j'aurais plus de mission Eldari au bout d'un moment là. Après il y a un autre truc. Ah j'ai pris un niveau. Non. Ah non j'ai abandonné. Oh purée, je suis à 517. Les ressources de classe. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas le jeu super bien. Oui, j'ai réussi. C'était juste une purge, ça va vite. Ça va vite pour les purger. Ah oui, c'est ça, j'ai eu un truc de... Ah, intéressant. Ben non, du coup, je vais le garder. Ok. Plus 19 de butin. Par contre, il n'y a pas le bonus. Ah, il y a les dégâts thermiques. Ça vaut le coup. Ben, je vais le changer avec mon second. Voilà. Voilà, c'est cool. Ben on va aller... Je vais essayer de payer mon armure.
je vais tout recycler. Voilà. Hop. Modification. Du coup. Ah, je peux pas la modifier, c'est vrai. Si, je peux. J'avais pu la modifier la dernière fois. Je sais pas. Le nombre de modifications que vous pouvez apporter à cet objet. Une intégrité. Donc ok. Je vais la monter en niveau. Quoi, il faut 1 million maintenant pour la modifier? Non mais... C'est la course à l'armement. Bon, elle fait un peu plus de dégâts. C'est déjà pas mal. Ouais, je voulais la EP, tu vois. Mais ça va être dur. Je peux pas changer le mot là. 10% de dégâts déviés vers l'attaquant. Bon, ça va, ça, c'est pas... Bref. Ah non, il s'est pas remis à jour, donc il y a rien de nouveau. Double les chances de trouver une relique pendant les 5 prochaines missions de Taro. Merci beaucoup, ben, merci d'être passé, ben, gros bisous, repose-toi bien du coup. A plus, c'est quelle heure? Ouais, je vais pas tarder non plus. De toute façon. En tout cas, merci d'être passé. Je m'y intéresse à ça. Non, je vais passer par l'émission générale, hein. Ce sera mieux. Allez, un peu d'Eldar noir, changera. Quel type de mission
Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? C'est mal. T'as les méduses. On voit du pâté, hein. Le bug, il y en a un qui est en l'air. Excellent. Vous pouvez brûler, s'il vous plaît, merci. Ils sont en train de me dézinguer en fait. Oh! Le Talos, déjà, je sais que ça fait super mal, mais là. Il fait super mal et en plus. Il a des points de vie. De ouf. Bon, moi, j'ai pété son bouclier, c'est déjà ça. Pourquoi ça marche pas? À distance, hein. Il m'a cassé les pieds, lui. Teleport beacon in range. Ah, ça c'est cool. Comme ramène au milieu. C'est eux là, faut se méfier.
What? Chronos là, ouais, ok. Faut que j'arrive à lui péter son armure. Sans en prendre trop plein la gueule. Si possible. Et je vais le faire à 10. Ouais, mais non, mais du coup, il se bouge. Bon, bah, on va le faire comme ça. Tant pis. Ouais, comme on dit, petit à petit. Teleport beacon in range. Allez, donne-moi du matos. Le dernier. Ça incrémente mon armure ou pas? Non, pas eux. Dommage. Putain, mais c'est quoi ce truc? Je crois que j'ai balancé ça un peu au pif. C'est quoi après le bouton? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça, non? Ouais, voilà. Teleport beacon in range. Ah, je vais mourir. Reste pas dans l'explosion, mais... Je pouvais plus bouger, rester dans l'explosion. Putain, les méduses, elles me font des dégâts de malade, quoi. Allez, ça c'est fait. Bon, on va voir ce que ça a donné. Des bons trucs là. Oh. 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 C'est bon ça. Le butin attire le butin. On va les vendre. Hop. Ça, il y en a pas mal que je pourrais balancer parce que du coup je m'en sers pas. Ça fait de l'argent qui dort. Hein. C'est 150 000. J'ai cru que j'avais écrit 1,5 million. C'est 150 000. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut upper là? On peut rien upper. Débloque les la capacité d'extraire des psaumes. Des éclats. La fusion d'archéens pour créer de plus puissants. Celui-là active le changement. Oh, ça pourrait être bien. Oh, mais t'as vu le coup aussi? Bon. Ben, on va s'arrêter là. Du coup. Ben merci à toutes celles et ceux qui sont arrêtés ici, et voilà. Du coup. Hop. Bon allez. Bonne soirée. Ciao.